ces démarches, ce sourire, ce déhanché, ce petit pas en arrière. Le salut, l'usage des applaudissements, s'il vous plaît, pour Oriana. Oriana, je vais viser cette belle matador qui avait beaucoup de style, beaucoup de passion. Vous saluer, cher public. Notre belle matador porte à la tête une tête canondée, jaune, marron. Elle porte également un corsage en gros blanc avec une chaînette. Corsage qu'elle nous présente avec délicatesse. Elle porte également une jupe jaune, orange, assortie à la tête. Cette belle matador porte un jupon blanc brodé et coton. Un foulard assorti à la tête et à la jupe. Elle a un accessoire, un mouchoir blanc brodé. Et son pied de robe, elle vous présente, messieurs, dames. Elle a également cet éventail qu'elle manipule avec dextérité. Au cours, on va parler de ses bijoux, elle porte au bout trois manches de Grégor, un sautoir, une broche, aux oreilles des TTRS, au bras un bracelet serpent, un bracelet jaune, un porte-bonheur, une gourmette, un crêpe d'or. Au pied, cette belle matador si délicate porte des bas et des chaussures vernis noirs. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour vos gamins. Des ensembles. Et madame qui vous présente ses chaussures avec beaucoup de style, beaucoup de façon, bien entendu. Merci à Oriana. On va raccompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Oriana, notre belle matador des Ostarlais. Cette belle tête calendée, bien sûr. Merci à vous, il y aura des applaudissements pour la raccompagner, s'il vous plaît. Sur le prénom, il s'agit de Oriana et non Oriana. Voilà. Ah, ah, mais votre papier. Maman. Yo, bien équipé, hein. La ville des Ostarlais. Alors, on va poursuivre et accueillir notre deuxième candidate, bien sûr. Elle est âgée de 8 ans. Elle se nomme Kiara. J'ai pas encore dit de quel rôle, mon gars. C'est quoi? Elle nous vient de la ville de Saint-Louis. Elle a évolué également sur une Begin interprétée par nos musiciens de Kakodou. Elle représente la matador. La
la voici, la voilà qui s'avance délicatement. Et regardez-moi cette façon d'évoluer, messieurs dames. Ça remonte. Je gigue le sang du visage avec le style de toute façon. Cette façon d'évoluer, d'abord le talon et ensuite la pointe. Mi-town, 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 mi-town. Des applaudissements s'il vous plaît pour Kiara. Kiara, c'est cette belle matador qui porte à la tête une tête plate plissée, agrémentée de chaînettes, avec le suivez-moi et un billet de banque de 100 francs. Elle porte un corsage blanc, brodé, garni de dentelles, d'entre deux, passé au cou et aux manches par des chaînettes. Elle porte une jupe en adresse calendée, un jupon blanc garni d'entre deux de dentelles et de nervures en broderie anglaise à deux volants assortis à son corsage. Tenue et vous présente avec volume de style en bout de façon. Elle porte un mouchoir foulard en madras calendé vissé assorti à la jupe. Et en accessoire, cette belle matador et l'éventail blanc qu'elle manipule avec dextérité, bien sûr, un petit mouchoir blanc brodé. Elle porte au cou un sourire forcé de 2,50 m, trois rangées de mains d'or. Elle a aux oreilles des têtes négresses, au bras un bracelet serpent, un bracelet torsadé de boule, deux joncs, un pamboudeur, deux gourmettes. Au pied, elle a des chaussures plates brodées et des bas en fil d'Écosse roulés de tête chère. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Kiara, notre belle matador de Saint-Luc. On tape tes mains, on tape tes mains, on tape tes mains, on tape tes mains. Kiara, Saint-Luc. Et qu'on va raccompagner avec des applaudissements. Tapez tes mains, tapez tes mains. Kiara. Le salut visage, style et façon. C'est moi la poubelle, regardez-moi. Qu'accordez-vous sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Patrimoine musical, ça belle, ça belle. On poursuit, nous allons accueillir tout de suite notre troisième candidate. Notre troisième candidate qui est âgée de 10 ans, qui se prénomme Maëlan. Maëlan. Alors, petit changement. On va accueillir notre quatrième candidate. Petit souci avec la candidate précédente. Notre quatrième candidate, elle est âgée de 7 ans. Elle se prénomme Thaïssa. Thaïssia. Bon, quand je vais annoncer la ville, j'espère que ça sera beaucoup plus pétante, ça quand même. Hein. Thaïssia qui nous vient de la ville du Vormais. J'ai eu peur, hein. Thaïssia, 7 ans, qui vient de la ville du Vaucluse, qui va évoluer sur le Big In.
et qui représente bien entendu la Matador. C'est ça. Regardez-moi cette dimanche, ce sourire. C'est la Matador qui est en confiance, qui est sûre de sa beauté. Elle sait qu'elle est montre le regard. Et puis regardez-moi ça, cette façon de saluer bien originale. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir Taïsia. Taïsia, notre belle Matador, porte à la tête une tête plate plissée, 8 têtes négresses ornées de 3 choux, avec 3 billets de banque agrémentés de chaînettes. Elle porte un corsage blanc brodé en broderie anglaise, garni en dentelle, d'entre deux, avec 2 nervures. Voyez-vous-même, messieurs, dames. Elle porte une jupe en madras calandrée, un jupon blanc brodé en broderie anglaise, à 2 collants, garni de dentelle, d'entre deux, et de nervures assorties au corsage. Son foulard est en madras cordé et plissé, assorti à la jupe. Elle a en accessoire son éventail blanc qu'elle manipule avec facilité. Voyez-vous même. Elle possède également un mouchoir blanc brodé qu'elle sort délicatement pour s'éponger, histoire que la soyez à part tirée, petit maquillage moyen. Bayan, 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 me souffler. Elle a des bijoux, elle porte au cou un sautoir de 1m50, un sautoir de 2m50 rehaussé avec la cassonette côté cœur, aux oreilles une paire de chenilles, au bras deux bracelets porte-bonheur, une bague gourmette, 5 journées, un bracelet serpent, un bracelet torsadé, un bracelet de boule, et au pied notre belle Matador porte des chaussures plates brodées avec des bagues en fil d'écorce roulées. Tête chère. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Taïsia, qui nous vient de la ville du Vaudelin. Et lorsqu'une belle Matador laisse tomber son mouchoir, on s'empresse de le ramasser, de le secouer, de le huer pour tomber sous le charme. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Taïsia. On t'a aimé, 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 on t'a aimé. Cette façon de saluer avec style et façon, messieurs, dames. Aïe, aïe, aïe. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Taïsia. Aïe, aïe, aïe. Des applaudissements également pour Taconou. Belle musique, musique pour moi belle. Le Vauclin, ça suffit. Le Vauclin, ça suffit. J'avais envie de vous mettre sur le vieux, je crois. Et c'est ça la fête. Ça vous a manqué, effectivement, ça vous a manqué. Content de vous retrouver, en tout cas. Nous allons accueillir notre troisième candidate. Alors, vous aurez compris qu'il n'est pas aisé de venir ici, sur ce podium, pour se présenter devant un magnifique public. Des fois, ben oui, effectivement, il y a le stress qui est là, il y a le trac. Donc on compte sur vous pour encourager notre candidate qui va se présenter à vous et lui accorder un magnifique
premier applaudissement, j'aurais dit, voilà. Notre troisième candidate qui vient de la ville de Rivière-Salée. Valérie Bifford, à moi, s'il vous plaît. Maïlan, âgée de 10 ans. Et qui représente un matador, bien entendu. Elle va évoluer sur le begin. Interprétée par le musicien chéri de Capitou. Allez, la voici, la voilà, qui s'avance avec style, façon, le sein d'usage. Cette corure, cette démarche, ce sourire, propre à la matador, cette femme séduisante, cette femme charmante, cette femme qui, en un près d'eux, pouvait repartir avec votre mari, tenez-le fort. Un son d'applaudissement, s'il vous plaît. Maïlane, c'est cette belle matador qui porte à la tête une tête calandée, agrémentée de chaînettes avec le suivez-moi et un pied de bord qu'elle vous présente avec style et façon, bien sûr. Elle porte un corsage blanc, brodé, garni de dentelles, d'entre-deux, foncées au cou et aux manches, de rubans en satin rouge. Aïe aïe aïe! Cette femme piquante porte une jupe en madras calandée, qu'elle vous présente avec beaucoup de style, bien entendu. Elle a un jupon broderie anglaise à deux volants et un foulard pissé au dos assorti à sa jupe. Elle a en accessoire notre belle matador, un éventail blanc qu'elle manipule avec facilité. Un mouchoir également. Et vous voyez ce style, messieurs dames. Pensons au mouchoir, délicatement au mouchoir blanc. Et vous voyez, on ne le passe même pas sur le visage, histoire de ne pas sortir tout ce beau mariage. Votre belle matador compte au cou 3 rangées de grains d'or, un sautoir de 2,50 m, aux oreilles de tétérégresse, au bras un bracelet serpent, un bracelet de boule, un jonc, un porte-bonheur, deux gourmettes, au pied, elle a des chaussures plates brodées et des bas roulés de tête chère. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour elle, Alain. Et vous avez bien vu cette belle matador qui, lorsqu'elle a voulu prendre son mouchoir, ça ne se faisait pas n'importe comment, il fallait passer les ventailles derrière. Oui, il était pris, c'est pas grave. Mais il y avait du style dans cette façon de se présenter. Des applaudissements encore pour Maïlan, s'il vous plaît, que nous venons tout voir de la ville de Rivière-Salée. Cette façon de se présenter, messieurs, dames, cette corure, cette démarche, ce sourire. On t'a t'aimé, on t'a t'aimé, on t'a t'aimé, on t'a t'aimé, on t'a t'aimé. Maïlane! Nous allons retrouver nos quatre candidats, messieurs dames, pour la parade finale en tenue traditionnelle, bien entendu, une tenue que nous vous présentons. Alors, souvent on disait, ouais, mais c'est carnaval, il y a quand même des tenues pour un carnaval. Non, on nous offre l'opportunité de présenter ce magnifique patrimoine ce jour-là, messieurs dames, et durant les, justement, les parades, les jours gras. Donc, c'est à nous, justement, de défendre ce patrimoine culturel, un patrimoine culturel que nous envie le monde entier, puisqu'il y a
de grands couturiers qui s'inspirent de cette tenue pour créer leur modèle effectivement. Donc, nous allons retrouver nos quatre candidates. Allez, voici les voilà qui nous reviennent. La première candidate, ça nous vient tout droit des Anses d'Arlet. Oana. Oana, 8 ans. La deuxième candidate, ça nous vient de la ville de C+, âgée également de 8 ans, Chiara. Notre troisième candidate, elle vient tout droit de la ville de Rivière-Salée, Maëlan, 10 ans. La quatrième candidate qui vient de la ville de Vaudelin, Taïsia. C'est ça. Bien entendu, vous pouvez marcher les filles, n'hésitez pas. Quelle est votre préférée? Est-ce la numéro 1? Oh, la deuxième. Est-ce Chiara de C+? Est-ce Maëlan de Rivière-Salée? Est-ce Taïsia du Vaudelin? Choix le 1, le 2, le 3, le 4, le 1, le 2, le 3, le 4. Je ne vous entends pas crier leur nom. Je ne vous entends pas crier. L'élection de la Mégérène qui porte si fièrement cette tenue qui fait la fierté de la Martinique, la tenue de la Matador. S'il vous plaît, on les accompagne avec des applaudissements, s'il vous plaît. On tape des mains, 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 on tape des mains. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 1, le 2, le 3, le 4. Ici en 4. Merci messieurs.
Nous allons enchaîner à accueillir les magnifiques danseurs du ballet Kakodou d'ici quelques petites secondes. Est-ce que ça va, cher public? Est-ce que ça va, cher public? Tu as dit combien, le combien? Le 4? Le 1? Le 2? Le 3? J'ai pas entendu. On verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Ils ont remporté, il y a une semaine de cela, tout juste, le fameux concours organisé par la CSM de façon brillante, messieurs, dames. Et ils viennent tout droit du Robert. Ce sont des ambianceurs escamitiers. 231 du Robert. Thank you.
C'est timide. Nos danseurs du ballet Kakodou, un ballet qui existe depuis 1998 et qui, justement, chaque année, représente la Martinique, le patrimoine culturel martiniquais, outre-Atlantique, voire à travers le monde. Des applaudissements pour Kakodou, s'il vous plaît. Thank you.
ces phrases qui privaient, enroulaient leur conscience, avec de nos réserves, où on se voyageait, à dans le temps passé, où on s'est déliré, pour première fois nous t'évoquons, à la phrase au pitié. Je suis déjà long.
J'aimerais un peu le vaisseau. Soleil est couché pour tomber, ça va brûler.